Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Les éditions et surtout les productions également de Chalet Jeune se suivent mais ne se ressemblent pas. Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour, ça selon votre convenance. Nous sommes dans un établissement qui s'est donné pour objectif depuis des décennies de fabriquer les gouvernants de notre cher et beau pays pour demain. Et sur ce, on se doit de marquer une pause histoire, de reconnaître à sa juste valeur cet établissement qui, depuis des années, accorde un maximum d'importance à l'épanouissement et surtout à l'éducation de la jeunesse gabonaise. Sur ce, je vous invite, vous qui nous regardez à travers votre petit écran à la maison et vous également qui faites partie du charmant public qui va nous accompagner pendant cette aventure, d'acclamer très très fort pour le collège et lycée Raponda Walker. Voilà, on a coutume de dire à tout seigneur, tout honneur, nous avons donc l'honneur de recevoir M. Dominique Ngozogo, qui est chef service social, qui s'exprimera au nom de l'ensemble du personnel du lycée et collège Raponda Walker. Bonjour à vous, M. Dominique. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Merci de nous avoir accueillis dans l'enceinte du lycée Raponda Walker. Oui. C'est l'honneur pour moi. Au nom de l'administration du collège et lycée Raponda, en tête de laquelle monsieur le proviseur, de souhaiter à l'équipe de Challenge Jeunes, aux membres du jury, aux élèves et à tous les techniciens, la bienvenue au collège et lycée Raponda Walker. En ce jour que nous allons célébrer pour l'émission Challenge Jeune, je vous invite à suivre, à déguster les activités qui ont été préparées pour vous par les élèves et j'espère que les prestations que vous allez voir seront les meilleurs parmi les établissements de la ville. Je vous remercie. Voilà. Nous vous remercions. Merci infiniment, M. Dominique Ngozogo. Mais quand même, une dernière question. Se sépare parmi la multiplicité des établissements d'enseignement général que la ville de Port-Gentil abrite. Quelle est la particularité du collège et lycée? Si on peut parler de particularité, je dirais que le collège et lycée Raponda Walker fait partie des plus anciens par le nombre d'années d'existence. Le collège et lycée Raponda fait partie des meilleurs par la qualité des enseignements qui sont dispensés. Je crois que le collège et lycée Raponda a aussi une histoire en matière d'émissions telles que celle-là, parce que c'est un collège qui a produit des talents, qui évolue maintenant sur le plan national et pourquoi pas international. Donc je crois qu'en matière de divertissement et d'apprentissage, le collège et lycée Raponda a toute une histoire sur le plan national. Merci infiniment à vous, M. Dominique Ngozogo. Chers amis, je vous prie d'acclamer très très fort pour l'excellence du collège et lycée Raponda Walker. Merci à vous, cher monsieur. Merci. Temps pour nous de retrouver nos chers amis. Bonjour à vous, ça va? Tapez les mains très très fort pour vous, s'il vous plaît. Voilà. Nous y sommes finalement, mesdames et messieurs, si c'est à l'instant que vous vous câblez devant votre petit écran, sachez que c'est un autre numéro de votre émission de jeu et de divertissement ludique qui se propose être une plateforme. Pour le compte de ce numéro consacré au collège et lycée Raponda Walker, on va tout de suite passer à la présentation de nos différents groupes. On commence par le tout premier qui porte le nom de Polygamar de ce côté, représenté par Pernel. Bonjour à vous, Pernel. Bonjour. Ça va? Alors, pourquoi ce choix porté sur Polygamba? Nous avons choisi Polygamba, déjà parce que c'est un grand personnage de l'histoire gabonaise. Déjà qu'il a marqué l'histoire par les nombreuses actions dans le domaine sanitaire. Et le fait qu'il ait aussi été le premier infirmier indigène gabonais. Voilà. Merci de taper les mots très très fort pour Polygamba, mesdames et messieurs. Il faut rappeler que Polygamba était infirmier éponyme de l'hôpital de Port-Gentil, un descendant en ligne directe des derniers rois Orongo. Polygamba est né en 1857 et il est décédé chez lui en 1962 à l'âge de 105 ans. Merci à vous d'avoir choisi ce personnage. Et puis de l'autre côté, nous avons une équipe qui porte le nom de Sembène Ousmane. Tapez les mains très très fort pour l'équipe Sembène Ousmane, s'il vous plaît. Alors, Sembène Ousmane, représenté par Cristalia. Bonjour Cristalia. Rapprochez-vous de votre micro, ça va? Ça va.
Alors, pourquoi ce choix porté sur la personnalité de Sem Ben Ousmane? Parce que c'est un grand écrivain qui a défendu les gens faibles. Tapez les mains très très fort pour elle, pour l'encourager, s'il vous plaît. Voilà, Ousmane Sem Ben qui a défendu les gens faibles, c'est ça? Alors, il faut rappeler qu'Ousmane Sem Ben était un écrivain, réalisateur, acteur et scénariste majeur de l'Afrique contemporaine qui a connu et qui est très très connu pour ses partis pris militants sur les questions politiques et sociales. Merci à vous d'avoir choisi Ousmane Sem Ben pour votre groupe. On va tout de suite passer à la présentation de nos membres du jury. Vous le savez, chers amis, pour que la compétition soit crédible, il faut également un jury crédible. Et sur ce, nous avons le privilège de recevoir parmi nous cet après-midi Monsieur François Dassis Moulungi, qui est par ailleurs psychothérapeute. Je vous prie d'acclamer très très fort pour lui. Bonjour à vous, Monsieur François Dassis. Bonjour, Pablo. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, qu'est-ce que vous réservez à ces compétiteurs cet après-midi? Ben, écoutez, je leur réserve, comme ma collègue, le meilleur, c'est-à-dire retenir de leurs prestations l'excellence qui fera qu'ils seront désignés à la fin, j'espère, meilleur de cette prestation. Je vous prie d'acclamer encore très très fort pour Monsieur François Dassis Moulungi. Il est psychothérapeute et puis assisté ce samedi par Madame Paulma Eboué, qui est représentante de l'association AWE, qui est une association qui œuvre au quotidien dans la promotion, la préservation et surtout la protection de l'eau, qui est un liquide assez précieux pour le bonheur de tous et de chacun. Bonjour et bienvenue parmi nous, Madame Paulma Eboué. Bonjour. Vous allez bien? Merci, ça va. Est-ce que ce que vous réservez à nos chers candidats pour ce numéro consacré au collège et lycée Raponda Walker? Primer le meilleur et les encourager à faire mieux et à promouvoir la culture gabonaise. Je vous prie d'acclamer très très fort pour la promotion de la culture gabonaise promue par Madame Paulma Eboué, par ailleurs membre du jury pour ce numéro. Chers amis, merci à vous d'avoir eu le courage de faire partie de ce numéro de challenge. On espère bien que vous serez à la hauteur des attentes de ceux qui nous regardent à la maison et bien sûr de ce charmant public, dont je vous prie d'acclamer encore très très fort pour nos candidats qui vont se retirer. Et tout de suite, la compétition démarre. Voilà, mesdames et messieurs, nous y sommes dans le cadre de ce premier arrêt pour le compte de cette aventure consacrée au collège et lycée Raponda Walker. C'est situé dans le 3e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Et pour le compte du concours d'art, nous allons inviter nos différents candidats qui sont déjà sur ce plancher avec nous. Pour le compte de Sem Ben Ousmane, nous avons Marshall qui est là. Bonjour Marshall. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Alors, le thème retenu pour ce numéro est « Mes origines, mon destin ». Qu'est-ce que vous réservez non seulement au jury et également à ce public? Ce que je réserve, c'est un meilleur, en fait. Je vais essayer d'imaginer ce que monsieur a dit, de faire le meilleur de ce que je pense. Enfin, j'ai une bonne image dans ma tête, je pense. Voilà, une bonne image dans sa tête, ça mérite des acclamations quand même. Voilà. Merci à vous et notre cher ami Kevin qui représentera Polygamba. Bonjour Kevin. Bonjour. Ça va? Oui. Alors, qu'est-ce que tu réserves pour nous cet après-midi, Kevin? Je réserve le meilleur pour notre avenir, enfin, pour notre origine. Le meilleur pour nos origines. Oui. Le meilleur pour nos origines, ça mérite également des ovations. Voilà. Merci à vous, cher Kevin. Il est important, mesdames et messieurs, de rappeler que le thème retenu pour ce numéro est « Mes origines, mon destin ». Nous avons coutume de dire, lorsque tu ne sais pas d'où tu vas, regarde d'où tu viens. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde où tu viens. Et d'aucuns disent en d'autres termes, malheur à celui qui oublie d'où il vient. Il est donc important pour nous de représenter cette pensée à travers la toile de nos différentes amies, sans toutefois oublier qu'à l'instant consacré à la sensibilisation, on s'arrêtera également un instant avec le concours de Monsieur François Dassis Moulungi pour sensibiliser les uns et les autres sur la nécessité du retour aux sources, la nécessité de reconnaître ses origines et surtout de les respecter. Merci à vous, chers amis. On se retrouve à la fin
pour la présentation de vos différentes représentations. Et le temps pour nous, chers téléspectateurs, de prendre le deuxième arrêt. C'est l'instant pour nous de rivaliser cette fois d'intelligence. Incollab, première série. Valar, nous y sommes sur ce plancher dans le cadre de ce numéro de Challenge Jeune, saison 2, consacré au collège et lycée Rapunda-Walken, aux différents candidats qui sont déjà là, pour le compte de Polygamba. Voilà, Polygamba, c'est ça, représenté par Penel Abdel Ali. Penel, déjà, bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous passez le micro à Abdel Ali. Abdel Ali, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Et puis, vous passez le micro à votre voisin, Jordan. Bonjour, Jordan. Bonjour. Ça va? Très bien. Voilà. Alors, c'est qui le cerveau parmi vous? C'est qui le cerveau? Nous trois. Trois cerveaux. Tapez les mains très, très fort pour nos candidats pour la catégorie Incollab. Une véritable parité dans cette catégorie. Nous avons d'un côté Sambel Ousmane, représenté entièrement par les femmes. Aïcha, bonjour. Elle est où? Bonjour, bonjour Aïcha. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Alors, Cristalia, bonjour. Bonjour. Ça va, Cristalia? Oui, ça va. Et Josia, bonjour Josia. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Merci d'être parmi nous. Mesdames et messieurs, tout de suite, nous démarrons par la première question, Incollab, première série. Le nerf optique relie chaque globe oculaire, plus précisément au niveau de la rétine. Il se charge de transférer les informations qu'il reçoit vers quel organe? Le nerf optique relie chaque globe oculaire, plus précisément au niveau de la rétine. Il se charge de transférer les informations qu'il reçoit vers quel organe? Merci à vous, chers amis. Proposition de réponse, s'il vous plaît. Merci. Polygamba. Merci à vous, Ousmane. Non, vous me donnez juste... Voilà, merci. Alors, proposition de réponse, Ousmane. Le cerveau. Le cerveau. Proposition de réponse, Polygamba. Pareil, le cerveau. Le cerveau, et c'est la bonne réponse. Les deux équipes marquent le point. Le cerveau est un organe essentiel qui assure la régulation de toutes les fonctions vitales. Il reçoit des informations provenant de l'ensemble du corps humain via les nerfs afférents, les intègre et les analyse, puis répond en émettant de nouveaux signaux qui redescendent vers les parties du corps concernées. Deuxième question, la vision nocturne est la forme particulière que prend la vue la nuit ou en condition de faible éclairage. Quelle cellule réceptrice de l'œil nous renseigne sur notre environnement la nuit? Première proposition, les cellules multipolaires. Deuxième proposition, les bâtonnets. Troisième proposition, les cônes. La vision nocturne est la forme particulière que prend la vue la nuit ou en condition de faible éclairage, quelle cellule réceptrice de l'œil nous renseigne sur notre environnement la nuit? Première proposition, les cellules multipolaires. Deuxième proposition, les bâtonnets. Troisième proposition, les cônes. Merci à vous, Polygamba. Merci. Ousmane, merci. Proposition Polygamba. Nous proposons les cônes. Pardon? Les cônes. Les cônes. Proposition? Les cellules multipolaires. Les cellules multipolaires. Malheureusement pour vous, personne ne marque le point. Fallait dire les bâtonnets. Les bâtonnets sont des cellules réceptrices de forme allongée que l'on retrouve sur toute la surface de la rétine. Ces cellules ont pour rôle de transformer le signal électromagnétique de la lumière reçue par l'œil en signal bioélectrique. Ce signal est ensuite envoyé vers le cerveau qui l'interprète et construit la vision. Troisième question, première série Incollab. Comment appelle-t-on les glandes qui sécrètent les larmes? Première proposition, les glandes lacrymales. Deuxième proposition, les glandes oculofaciale. Comment appelle-t-on les glandes qui sécrètent les larmes? Première proposition, les glandes lacrymales. Deuxième proposition, les glandes oculofaciales.
Merci, cher monsieur. Proposition, Ousmane. Merci à vous, Polygamba. Ousmane, proposition de réponse. Les glandes oculo-faciales. Pardon? Les glandes oculo-faciales. Les glandes oculo-faciales. Proposition? Les glandes oculo-faciales. Les glandes oculo-faciales, malheureusement pour vous, ce n'est pas la bonne réponse. Ce sont les glandes lacrymales. Les glandes lacrymales sont responsables de la sécrétion des larmes. Elles sont situées entre les sourcils et la paupière supérieure de chaque œil. Salée et transparente, les larmes permettent de garder l'œil toujours humide et de le débarrasser de diverses agressions. Quatrième question, première série incollable. Chers amis, c'est bon, ça va? Oui, ça va. Ça va? Oui. On y va, quatrième question. La déviation d'un ou des deux yeux est communément appelée loucherie, mais quel est son nom scientifique? Première proposition, dévisme. Deuxième proposition, strabisme. Troisième proposition, désacisme. Voilà, désacisme. La déviation d'un ou des deux yeux est communément appelée loucherie. Mais quel est son nom scientifique? Première proposition, dévisme. Deuxième proposition, strabisme. Troisième proposition, désacisme. Voilà, merci à vous, Ousmane, merci. Proposition de réponse, Ousmane. Dévisme. Dévisme, proposition, proposition. Proposition B. Proposition B, strabisme. Strabisme, c'est la bonne réponse et c'est Polygamba qui marque le point. Car le strabisme du grec strabos ou alors louche est un défaut de parallélisme des axes visuels qui perturbe la correspondance sensorielle et motrice des deux yeux. Ces derniers, ne pouvant fixer le même objet, amènent le cerveau à supprimer une des images pour éviter de voir double. Cinquième et dernière question pour cette première série incollable. Quand parle-t-on d'un œil myope? Première proposition, quand un œil coupe les images en deux. Deuxième proposition, quand on voit bien de près mais flou de loin. Troisième proposition, quand on voit de loin mais flou de près. Quand parle-t-on d'un œil myope? Première proposition, quand on voit bien de près, mais flou de loin. Première proposition, quand un œil coupe les images en deux. Deuxième proposition, quand on voit bien de près, mais flou de loin. Troisième proposition, quand on voit de loin, mais flou de près. Voilà, merci à vous. Je pense, Ousmane, la question a été lue deux fois. Voilà. Alors, proposition de réponse, Polygamba. Proposition C. Proposition C, c'est-à-dire quand on voit de loin, mais flou, de près. Proposition... Proposition 2. Proposition 2, quand on voit bien de près, mais flou de loin, c'est la bonne réponse. Et c'est Ousmane qui marque le point. La myopie n'est pas une maladie, mais un trouble de la vision qui se caractérise par une vision nette de près mais floue de loin. Généralement, les enfants ou adolescents myopes ont du mal à lire ce qui est écrit sur le tableau lorsqu'ils sont assis au fond de la classe. Lire les panneaux de sécurité, par exemple, devient difficile. C'était tout pour cette première série. Vos impressions, chers amis? Un sentiment? On aurait pu mieux faire. Alors, on va se rattraper à... la prochaine série. Voilà. Alors, un sentiment pour vous, Ousmane? C'était bien et c'était mieux que ce auquel on s'attendait. Voilà, nous y sommes après cette première série consacrée aux incollables. Tout de suite, le jury pour le résultat. Mais en tout cas, le score est de parité à cette première série. L'équipe Polygamba marque 2 points et l'équipe Simben Ousmane 2 points. Voilà. Sur 5, bien entendu. Score de parité, tapez les mains très très fort pour nos deux groupes. Et la suite, mesdames et messieurs, c'est avec une rubrique tout aussi bien alléchante que la première, c'est l'instant au cours duquel nos amis candidats rivalisent cette foire de créativité chorégraphique. C'est le concours de danse, c'est maintenant.
Valar, nous y sommes pour ce qui est du concours de danse. Nous allons donc inviter nos différents candidats pour le compte de l'équipe Polygambar. Mais il est important avant toute chose de rappeler, mesdames et messieurs, que dans cette catégorie, au-delà de la compétition, nous nous orientons également vers la promotion des valeurs culturelles et surtout musicales de notre cher et beau pays. Et le choix de ce numéro a été porté sur Bénédicte Andem, qui est par ailleurs une voix suffisamment commerciale pour ce qui est de notre patrimoine musical. Elle est gabonaise et elle fait parler du Gabon si l'on s'en tient au cinquième art qui n'est nul autre que la musique. Nous allons inviter pour le compte de Polygambar. Dans cette catégorie concours de danse, nous allons inviter Cédar, Danis, Merveille, Gernès, Glenn. C'est sous vos acclamations, s'il vous plaît. Concours de danse, Polygambar, c'est maintenant. Yeah.
Ça se passe au collège et lycée Raponda Walker, mais c'est le Gabon tout entier qui gagne. Je vous prie d'acclamer encore très très fort pour eux, chers amis. Merci. Merci. Et nous comprenons certainement pour vous, chers téléspectateurs, que la production n'a pas fait le mauvais choix dans le cadre du thème de la sensibilisation. Mes origines, mon destin. Alors, nous allons inviter la deuxième équipe, le deuxième groupe, Sambé Ousmane, qui sera représenté dans cette catégorie concours de danse par Corétar, Delmira, Jeanne, Orchidée, Jeanne et Georcia. Je vous prie d'acclamer très très fort pour elles, s'il vous plaît. Concours de danse, Ousmane, Sambé. Et si je sais.
Merci à vous, chers amis. Voilà, merci. Le jury, tout de suite, résultat concours de danse. 8 pour Samen Ousmane et 7,50 pour Paul Yamba. Donc, ce qui fait que c'est Samen Ousmane qui remporte cette épreuve. Samen Ousmane qui remporte le concours de danse. Merci à vous, monsieur François d'Assez Moulongui. Il faut rappeler que vous êtes psychothérapeute. Après le concours de danse, tout de suite, allons vers l'intelligence une fois de plus, Incollab, série 2. Voilà, nous y sommes pour la série 2 des Incollab avec bien sûr nos compagnons de toujours. Nous avons pour le compte de Polygamba, Penel. Alors Penel, un match, un score de parité à la première série, avec quel sentiment vous revenez ? On vient avec le sentiment de mieux faire. De mieux faire. Ouais. Alors pour le compte de Samben Ousmane, Cristalia, quel sentiment ? On pense qu'on va un peu plus écouter entre nous parce qu'on a eu du mal à la première, au premier passage parce qu'on ne s'entendait pas bien. Mais là, on va se serrer les coudes. Alors, c'est le mois de mars, c'est le mois des femmes et de la jeune fille aussi. Et vous pensez être à la hauteur ? Oui, nous sommes en démocratie, donc filles comme hommes, filles comme garçons, nous avons tous les mêmes droits. Voilà, et les mêmes devoirs aussi, hein. On va s'intéresser aux chiffres. Il s'agit là des mathématiques. Première question, deuxième série Incollab. Résolvez l'inéquation suivante. 20x moins 36 inférieur ou égal à 10x moins 8x. L'inéquation, résolvez l'inéquation suivante. 20x moins 36 inférieur ou inférieur ou égal à 10x moins 8x. Voilà, merci à vous, chers amis. Proposition de réponse. Ousmane. Alors, Polygamba, proposition. Nous proposons x inférieur à 18. X inférieur à 18. À 18. Nous aussi, la même chose. La même chose, x inférieur à 18. C'est ça. Oui. Malheureusement pour vous, ce n'est pas la bonne réponse. X est inférieur ou égal à 2. Alors, suivons ensemble le procédé. 20x moins 36 inférieur ou égal à 2x. 20x moins 2x inférieur ou égal à 36. Est-ce que vous suivez ? C'est bon ? Jusqu'ici, c'est bon ? Jusqu'ici, c'est bon ? Oui, oui, c'est bon. Voilà. Alors, 20x moins 2x inférieur ou égal à 36. 18x inférieur ou égal à 36. X inférieur ou égal à 36 sur 18. Ce qui donne par ailleurs 36 sur 18, ça donne. Voilà, ça donne 2. Merci. Tapez les mains très très fort pour la connaissance. Deuxième question, deuxième série Incollab. Écrivez la fraction 663 sur 819 sous forme de fraction irréductible. 663 sur 819 sous forme de fraction irréductible. 663 sur 819. 663 sur 819 sous forme de fraction irréductible. Merci à vous, chers amis. Ousmane, proposition. On n'a rien mis. Feuille vierge, donnez la mot, s'il vous plaît. Voilà, merci. On commence par vous, proposition. Rien. Voilà, aucune proposition. Et Polygamba, proposition. Nous proposons 12 demi. 12 demi. 12 demi. Mais c'est encore réductible, 12 demi. Voilà, il fallait tout simplement dire 17 sur 21. C'était là la fraction irréductible. Malheureusement, personne ne marque le point pour vous. Alors, troisième question. Résoudre l'équation suivante. Racine carrée de 49 plus racine carrée de 121 moins racine carrée de 81. Résoudre l'équation suivante. Racine carrée de 49 plus racine carrée de 121 moins racine carrée de 81.
Voilà, merci. Polygama, proposition de réponse. Ousmane, proposition de réponse. Merci. Voilà, merci. Alors, proposition Ousmane. Rien. Pardon ? Rien du tout. Rien du tout. Voilà, rien du tout. C'est votre proposition, c'est ça ? Oui. Voilà, rien du tout. Alors, Polygama, proposition ? 9. Polygama propose 9 et c'est la bonne réponse. Polygama marque le point. Il fallait faire 7 plus 11 moins 9 égale 18 moins 9, ce qui donne par ailleurs 9. Alors, question suivante, quatrième question, soit A, entre parenthèses, 3 fois 2, moins 5x plus 3. Calculez la valeur de A pour x égale 0. Soit A, entre parenthèses, 3 fois 2, moins 5x plus 3. Calculez la valeur de A pour x égale 0. Merci à vous. Proposition Polygama. Nous proposons 9. Vous proposez 9. Ousmane. 4. Polygama marque le point 9, c'est la bonne réponse, car il fallait faire A égale 6 moins 5 plus 3. A est donc égal à 6 plus 3, ce qui est égal à 9. Polygama marque le point. Dernière question, deuxième série incollable. Résolvez l'équation suivante. Racine carrée de 9 plus racine carrée de 169. Racine carrée de 9 plus racine carrée de 169. Résolvez l'équation suivante. Racine carrée de 9 plus racine carrée de 169. Voilà, merci à vous, Polygama, merci. Merci. Proposition Ousmane. 16. Vous proposez 16. Polygama. Pareillement. 16. Et 16, c'est la bonne réponse. Voilà, les deux équipes marquent le point. Racine carrée de 9 plus racine carrée de 169 égale 3 plus 13, ce qui donne 16. Nous sommes donc arrivés au terme de cette deuxième série. Quelles sont vos impressions, chers amis? Avant le résultat du jury. C'était dur. Alors, vos impressions, Polygama? On a pu atteindre l'objectif avec l'objectif qui était de faire mieux. La première fois. Voilà, vous pensez avoir faire mieux, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Le jury pour le résultat. Monsieur François Dassis Moulongui, résultat. Polygama est en tête avec 3 et Samben Ousmane s'en sort avec 1 point sur 5. Tapez le main très très fort pour Polygama qui s'en sort plutôt bien. Merci à vous, chers amis. On se retrouvera pour la suite dans un instant. Le temps pour nous de vous rappeler, chers téléspectateurs, que si vous nous regardez à l'instant à travers votre petit écran, sachez que vous avez la possibilité de rejoindre la grande famille de Challenge Jeune pour le compte de cette saison 2. Et les contacts qui s'affichent au bas de votre petit écran vous ouvrent les portes pour un éventuel partenariat entre vous et nous. Et pour votre bonne gouverne, chers compétiteurs, sachez que cette saison 2 prévoit deux phases. La première qui est baptisée phase éliminatoire, qui consiste notamment à cumuler un maximum de points pour espérer faire partie de la liste des quatre équipes qui seront choisies pour la phase finale prévue pour dans des semaines à venir. Il est donc important pour vous d'amasser, de cumuler le maximum de points pendant ces phases éliminatoires si vous aspirez bien être parmi ceux-là qui seront élu pour les phases finales. Merci à vous, on se retrouve pour la troisième et dernière partie. Et la suite de cette belle aventure télévisée, mesdames et messieurs, c'est avec l'épreuve sportive.
Voilà, s'il est vrai, mesdames et messieurs, que l'éducation de nos enfants passe par le respect des normes pédagogiques, la nécessité également des activités sportives dans notre cursus d'apprentissage est de mise. C'est la raison pour laquelle cette rubrique existe dans cette aventure télévisée. Il s'agit là de l'épreuve sportive et nous avons retenu pour ce numéro le bras de fer, l'équipe de Polygama qui sera représentée par Mavel. Mavel, bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Et puis, pour le compte doucement, nous avons Alain. Bonjour, Alain. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va. Alors, quelles sont vos motivations lorsque vous vous regardez ? Alain, je préfère commencer par vous, oui. Lorsque vous regardez l'adversaire, quelles sont vos motivations ? Approchez le micro. Je vais dire, je vais faire de mon mieux pour pouvoir le battre. Est-ce qu'il est prenable ? Oui. Tapez-le-moi très, très fort pour Alain, s'il vous plaît. Il représente Ousmane. Alors, Mabel, lorsque vous regardez Alain... J'ai quand même peur. Un peu ? Oui, j'ai peur. Mabel pour le compte de Polygama. Le jury de ce côté, Alain pour le compte d'Ousmane. Le principe est simple. La main gauche aux extrémités de la table, s'il vous plaît. La main gauche, monsieur. Voilà. Le coude sur la table. Le principe est simple. La main gauche ne bouge pas de cette extrémité. Le coude non plus ne se déplace de la table. Si votre main sort de là... Dites-vous, vous êtes disqualifié, et si le coude se déplace, ça sera le même principe. Messieurs, le jury, c'est bon ? Cher public, c'est bon ? C'est parti ! Voilà, plutôt paradoxal, c'est aussi ça la sportivité de ce numéro. Et rien n'est gagné jusqu'ici. Rien n'est gagné jusqu'ici. La tendance peut se renverser. Ils ont besoin de plus d'encouragement. Et puis je pense que le résultat est connu. Voilà, une pure rivalité. Allez-y les amis, la compétition se poursuit. Une véritable rivalité. Voilà, merci, 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 merci. Tapez les mains très très fort. Voilà, merci, merci. Je préfère plutôt vous demander, cher public, de ovationner très très fort pour Alain, pour la persévérance, s'il vous plaît. Alain, beaucoup de courage à vous. Et puis, c'est Mavel, heureusement, qui remporte cette partie bras de fer. Félicitations à vous, Mavel. Et merci, nous allons passer à la deuxième épreuve sportive. Voilà, nous y sommes, mesdames et messieurs, pour la suite de ce numéro de Challenge Jeune consacré au collège et lycée Raponda Walker pour le compte de la saison 2 de cette émission de jeu et de divertissement ludique pour ce qui est de la deuxième série, épreuve sportive. Nous avons nos candidats qui sont déjà là. Vous vous présentez en levant tout simplement la main. Pour le compte de Polygama, nous avons Mavel. Mavel pour Polygama, vous levez la main, voilà, pour le jury. Mabel pour Polygama, Yann également pour Polygama et pour Ousmane, nous avons Alain. Alain, nous avons Cal qui est là et Jurette. Jurette, voilà donc nos deux candidats. Le principe est simple, c'est la course dans le sac. Une fois que le signal sera donné, vous rentrez dans les sacs et vous avez deux allers et retours. Vous allez, vous revenez, vous allez et vous revenez pour passer le relais à votre coéquipier. Voilà. Et la preuve de votre arrivée de ce côté, c'est cette main. Voilà, donc vous la touchez, vous revenez, vous repartez, vous la touchez et vous revenez pour passer le relais. C'est bon, le principe est compris ? Le jury, le principe, c'est bon ? C'est parti ! Voilà, le relais aussitôt. Voilà, tout peut changer, tout peut basculer. Tout peut basculer. Merci, 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 chers membres de jury. Oui, à cette épreuve sportive...
Poli Gamba remporte la partie avec 9,25 sur 10. Et Samuel Ousmane s'en sort avec 8 sur 10. Poli Gamba, une fois de plus, remporte l'épreuve sportive. Ça mérite des acclamations, chers amis. Poli Gamba, épreuve sportive. Et tout de suite, nous allons passer à une autre articulation. Et le sujet retenu pour ce numéro est « Mes origines, mon destin ». Vous le savez, on a coutume de dire « Lorsque vous ne savez pas où vous allez, regardez d'où vous venez ». Et pour paraphraser un homme politique de notre pays qui disait « Malheur, malheur, malheur à celui qui oublie d'où il vient ». Mes origines, mon destin, nos candidats, nos élèves vont certainement nous étaler leur intelligence ou alors leur analyse sur la question de nos origines ou alors du retour aux sources. Qu'entendez-vous par le thème « Mes origines, mon destin » Nos origines, c'est un peu notre vie parce que ça part de là où on vient. Mmh. Et si on ne connaît pas nos origines, dans le futur, ça peut causer des accidents. Mmh. Quand par exemple tomber amoureux d'un de nos parents, mmh. ou bien vouloir tuer quelqu'un de sa famille. Mmh. Encore moi qui n'ai pas autorisé de tuer quelqu'un, même s'il n'est pas de votre famille. Merci à vous, Josia. Alors, Pernel, pour vous, comment expliquez-vous le fait qu'aujourd'hui la jeunesse se retrouve quelquefois détachée de ses origines? Sur le thème de nos origines, je pense d'abord que nos origines, c'est connaître qui on est. Et connaître d'où l'on vient. Nos origines conditionnent aussi notre destin dans le sens où il nous permet de relayer ce savoir-là aux générations futures. Voilà, merci. Tapez les mains très très fort pour Pernel qui parlait au nom de l'équipe Poli Gamba. Mesdames et messieurs, nous allons inviter un homme, pas des moindres. C'est un psychothérapeute qui travaille pour le service social au quotidien. Sa mission est notamment non seulement d'apporter l'espoir aux indigents, mais surtout de sensibiliser la jeunesse sur la nécessité de se connaître et surtout de connaître son pays et ses origines. Lui, sous vos acclamations, ce monsieur François d'Assise Mouloughi que nous allons recevoir sur ce plateau. Sous vos acclamations, s'il vous plaît, monsieur François d'Assise Mouloughi. Rebonjour à vous, monsieur François d'Assise. Alors, nous parlons de mes origines, mon destin. Oui, cette thématique nous a beaucoup inspiré parce que nous constatons dans le traitement quotidien que nous faisons, enfin, lorsque nous recevons surtout les adolescents, les enfants victimes d'agressions sexuelles, nous constatons que, ma foi, les places des enfants dans leur famille sont beaucoup ignorées par eux. Et puis, ma foi, ces places, les rôles de chacun dans la famille sont mal connus d'eux. Alors, il se trouve que certains enfants peuvent agresser sexuellement leurs propres frères. Certains oncles peuvent agresser sexuellement leurs propres neveux ou nièces. Alors, ça, c'est ce qui nous a inspirés. D'accord. Bon, maintenant, il est important pour vous, chers enfants, de savoir qu'il existe un lien entre votre destin, d'accord, c'est-à-dire le destin, c'est-à-dire ce que vous voulez devenir demain, et qui est d'une part de votre responsabilité, c'est vous qui choisissez, d'une certaine manière, ce que vous voulez devenir dans la vie. Et, bien sûr, l'origine, vos origines, la vie de votre famille, comment est organisé votre clan, qui est le chef de votre famille. Vous verrez, dans notre société, et comme dans d'autres pays, vous entendrez parler effectivement de familles de renom. Je vais vous prendre l'exemple chez nous d'une famille comme la famille Reteno, d'accord, la famille Otando. Ce sont des exemples qui sont de notre ville. Vous, enfants, vous devez absolument aller vers vos
parents, aller vers vos grands-parents pour connaître l'histoire de votre famille. Comment sont organisés comment est organisé le clan? Déjà, à quel clan vous appartenez? Est-ce que c'est au clan de papa ou au clan de maman? Remarquez que certains d'entre vous sont plus sûrs d'eux, c'est-à-dire vous savez ce que vous voulez dans la vie parce que vous savez d'où vous venez et vous savez pourquoi. Parce que vos parents, vos grands-parents vous ont transmis, d'accord, la connaissance de votre lignée. Aujourd'hui, les transmissions ne se font plus. C'est-à-dire que les places de chacun dans la famille sont très mal connues des enfants. Pour que vous soyez plus sensibilisés tôt, le plus tôt possible, à un métier, eh bien, il faut que vous sachiez vous identifier à votre aïeul le plus influent. Merci, merci infiniment à vous, monsieur François d'Assise Moulongui. Il faut rappeler, taper les mains très très fort pour monsieur François d'Assise Moulongui. Merci infiniment, on vous accompagne avec un tonnerre d'applaudissements. Merci à vous, monsieur Moulongui. Merci également à vous, chers amis, pour votre sensibilisation. On va poursuivre notre belle aventure et merci pour votre fidélité renouvelée à ce programme. Tout de suite, nous passons à la dernière articulation pour les Incollabs. On prend la troisième série Incollabs. Troisième série Incollabs. Quel métier consiste à contrôler les effluents, les réseaux et surveiller le bon fonctionnement des systèmes de canalisation? Première proposition, technicien d'assainissement. Deuxième proposition, technicien hydraulique. Troisième proposition, technicien de rivière. Quel métier consiste à contrôler les effluents, les réseaux et surveiller le bon fonctionnement des systèmes de canalisation? Première proposition, technicien d'assainissement. Deuxième proposition, technicien hydraulique. Troisième proposition, technicien de rivière. Voilà, merci. Proposition Ousmane. Josia, vous avez pris les commandes. Merci Pénel. Proposition Polygama. Proposition B. Proposition B, c'est-à-dire technicien hydraulique. Proposition B. Proposition B, technicien hydraulique. Malheureusement pour vous, ce n'est pas la bonne réponse. Il fallait dire technicien d'assainissement. Personne de vous ne marque le point. Car un technicien d'assainissement gère des dossiers de financement d'ouvrages de traitement de l'eau, assure le suivi de chantier, il réalise des plans et rédige des dossiers techniques d'appel d'eau. Une formation en gestion de l'eau vous permet de devenir technicien en réseau. Deuxième question. Combien faut-il de litres d'eau pour fabriquer un kilo de papier? Première proposition, 30 litres. Deuxième proposition, 3 litres. Troisième proposition, 300 litres. Combien faut-il de litres d'eau pour fabriquer un kilo de papier? Première proposition, 30 litres. Deuxième proposition, 3 litres. Troisième proposition, 300 litres. Merci, chers amis. Proposition de réponse. Ousmane Semben, proposition, s'il vous plaît. 30 litres. Josia, merci. Merci également à vous. Allez-y, proposition. A. Proposition A, 30 litres. Proposition. Proposition A. Proposition A, 30 litres. Malheureusement pour vous, vous passez à côté. La bonne réponse est 300 litres. Car pour fabriquer un kilo, voilà. Écoutez bien, pour fabriquer un kilo de papier, il faut 300 litres d'eau. L'industrie de la pâte à papier est un des secteurs industriels les plus consommateurs d'eau, comme la métallurgie ou l'agroalimentaire. L'industrie des pâtes à papier regroupe des entreprises manufacturières qui transforment surtout du matériel végétal ligneux en une grande variété de papier et de carton. Troisième question, dernière série incollable. Lequel de ces métiers n'est pas lié à l'eau? Première proposition, plombier. Deuxième, électromécanicien. Troisième, cureur. Lequel de ces métiers n'est pas lié à l'eau?
Première proposition, plombier. Deuxième proposition, électromécanicien. Troisième proposition, cureur. Et peut-être pour votre bonne nouvelle, il y a quand même un petit piège quelque part sur la question. Voilà, merci à vous. Ousmane, proposition, s'il vous plaît. Merci. Alors, Ousmane nous propose. Proposition C. Proposition C. Et Polygamba. Proposition B. Proposition B. Malheureusement, le piège consistait à dire que tous les métiers sont liés à l'eau. Voilà. Tous les métiers sont liés à l'eau car l'électromécanicien est un professionnel dont la principale mission consiste à installer de nouvelles machines dans une entreprise ou une usine pour le traitement de l'eau, par exemple. Quant au cureur, il est celui qui nettoie un espace où s'effectue l'accumulation ou l'écoulement des eaux, cureur de citernes, d'égouts, de fossés, tandis que le plombier est chargé de la réalisation ou la réparation des installations pour faire circuler des fluides, liquides, de gaz à l'aide de tuyaux, tubes, vannes ou robinets. On comprend que les trois métiers sont liés à l'eau, n'est-ce pas? C'est cela. C'est ça? Oui. Voilà. On y va pour la quatrième question. D'où vient l'eau qui alimente la ville de Port-Gentil? Première proposition, Mandorové. Deuxième proposition, Avanga. Troisième proposition, Douya. D'où vient l'eau qui alimente la ville de Port-Gentil? Première proposition, Mandorové. Deuxième proposition, Avanga. Troisième proposition, Douya. Merci à vous, chers amis, pour vos propositions de réponse. Merci. Alors, proposition Polygamba. Proposition A. Proposition A, c'est-à-dire Mandorové. Proposition Ousmane. A, Mandorové. C'est la bonne réponse. Et les deux équipes marquent le point. L'eau qui alimente la ville de Port-Gentil provient de la station de traitement d'eau de Mandorové, située à environ 30 km de Port-Gentil sur le fleuve. Sur le fleuve. Le fleuve Ogoué. Sur le fleuve Ogoué. Voilà, merci. Alors, dernière question, troisième série Incollab. Quelle est la sixième province du Gabon? Quelle est la sixième province du Gabon? Chers amis, l'intelligence, la créativité, c'est aussi ça, challenge jeune. Quelle est la sixième province du Gabon? Nous sommes à la huitième. Port-Gentil, c'est la huitième province. Quelle est la sixième province du Gabon? La province de l'Estuaire, c'est la première province. La province de l'Ogoué-Maritime, c'est la huitième province. Quelle est donc la sixième province? Quelle est la sixième province du Gabon? Sachant que la première province, c'est l'Estuaire. Et la huitième, c'est l'Ogoué-Maritime. Merci à vous, chers amis. Proposition? Merci. Le G6. Le G6. Voilà. Alors, proposition. Ogoué-Ivindo. Ogoué-Ivindo. Proposition. Ogoué-Lolo. Pardon? Ogoué-Lolo. Ogoué-Lolo. Malheureusement, pour vous, ce n'est pas la bonne réponse. Ogoué-Ivindo, c'est la bonne réponse. Et c'est Ousmane qui marque le point. L'Ogoué-Ivindo est la sixième province du Gabon. Officiellement, elle est indiquée par les initiales, le G6. Son chef-lieu est... Voilà, Makoku. Son chef-lieu est Makoku et les villes secondaires sont Boué, Mekambo, Mekambo, qui reste dans l'histoire du Gabon pour le chemin de fer, et Ovan. Elle se situe au nord-est du pays et est frontalière au Congo-Brazzaville par sa superficie. Elle est la plus vaste du pays avec 46 075 km². C'est la plus vaste des provinces et la plus peuplée, c'est celle de l'Estuaire. Merci à vous, chers amis. Nous sommes arrivés au terminal de cette séquence intelligence. Madame Paul Mbaboué, résultat, troisième série incollable. Troisième série, c'est l'équipe Saint-Ben Ousmane qui remporte la partie avec 2 points. Et j'aimerais dire ici que cette énième série fait intervenir les métiers de l'eau.
Et le 22 mars de chaque année, le monde entier célèbre l'eau. Et l'association AOE que je représente ici est satisfaite de voir que l'eau a été, n'a pas été oubliée par Challenge Jeune. C'est une invitation à nos apprenants à s'intéresser au métier de l'eau et que notre pays est, est l'un des pays qui est bordé par beaucoup d'eau et nous en sommes fiers. Voilà. Voilà, nous en sommes fiers et il est très important de préserver cette eau car elle est sacrée, c'est un liquide sacré. Lorsque vous vous baignez à la maison, prenez la tâche d'arrêter votre jet de douche avant de vous savonner. Et lorsque vous vous lavez les mains, arrêtez votre robinet avant de vous frotter les mains. Lorsque vous vous brossez également, arrêtez votre robinet avant de vous brosser afin de préserver l'eau qui pourra aider les autres ailleurs. Merci à vous d'avoir participé à ce numéro de Challenge. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est du karaoké, la chanson retenue par la production nous vient tout droit d'un pays voisin. Il s'agit là du Cameroun où nous allons aller découvrir un talent. Elle, c'est Charlotte Dipanda. Elle sera interprétée dans le cadre du karaoké pour le compte de l'équipe Ousmane Sembène par Chancelia, Serena, Jeanne, dont je vous prie d'acclamer très très fort pour elle, s'il vous plaît. Karaoké, c'est maintenant et tout de suite. Thank you.
mesdames et messieurs, allons inviter celles-là qui représenteront le groupe Polygamba. Il s'agit de Brandia, Lysia et Seda. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Le résultat karaoké. Le résultat karaoké donne 7,75 pour Polygamba et une note de 6 pour Samuel Ousmane. Donc Polygamba 7,75 pour Polygamba et 6 pour Ousmane. Polygamba qui remporte la partie. Voilà. Merci à vous. Merci Monsieur François d'Assise Moulogui. Merci également et félicitations à Polygamba. La suite de cette belle aventure, c'est avec la dernière articulation de notre conducteur. La présentation des représentations pour ce qui est du concours d'art.
Voilà, nous y sommes dans le cadre de la dernière rubrique de cette aventure, le concours d'art, les représentations. Nous avons pour le compte de Sébène Ousmane, Marshall, rebonjour. Ouais, c'est vous Marshall? Voilà, allez-y, qu'est-ce que vous avez concordé pour nous? Le jeune homme veut suivre les conseils de son père. Rapprochez-vous du micro. Veut suivre les conseils de son père, tout en imitant ses conseils. Veut suivre les conseils de son père tout en... Tout en... Alors dites-nous, Macha, c'est quoi le message de votre dessin? Que faut-il retenir? Les jeunes comme vous qui vous regardent et ici au collège et lycée Raponda et ceux qui sont comptés à des milliers qui vont vous regarder à travers nos différentes chaînes partenaires pour cette saison 2, que faut-il retenir de votre représentation, Macha? Suivre les conseils de son père. Suivre les conseils de son père. Et son avenir. Voilà, suivre les conseils de son père pour son avenir. Voilà, merci. On espère que le jury a pris note. Tapez les mains très très fort pour la créativité parce que, voilà, ça nécessite notamment une reconnaissance majeure. Il est jeune, mais il a pu représenter quelque chose qui sera notamment noté par le jury. Alors, Kevin. Oui. Qu'est-ce que vous avez vous représenté pour Ligama? Qu'est-ce que vous avez réservé pour nous, Kevin? Bon, ici, ce que j'ai représenté, c'est un garçon. Oui. À force de rester avec son père, enfin, son père travaillait, il faisait... il était, comment dire, un dessinateur, un grand dessinateur. Bon, à force de rester avec lui, il a appris que le dessin, c'est bien et que c'est sa passion. Rapprochez votre micro. Et que c'est sa passion. Donc alors, à force de rester avec son père... Il a fini par travailler, faire sa passion. Comme c'était sa passion, il était obligé de travailler, puisque si ce n'est pas sa passion, il ne peut pas faire ça normalement. Donc, ici, c'est le petit garçon avec son père. Et ici, c'est le grand garçon faisant le travail de son père. Donc, à l'avenir, il a juste représenté son père. Exactement. Tapez la main très très fort pour lui, s'il vous plaît. Quel est le message clair et concis qu'il faut retenir de votre représentation, Kevin? Alors, le message qu'il faut retenir, c'est que Lorsque vous aimez faire un truc et que c'est votre passion, vous n'êtes pas obligé de faire un autre truc. Vous pouvez travailler en faisant votre passion. Au lieu de travailler en faisant un truc, ce que vous n'aimez pas en tout cas. Et qu'il est important de se ressourcer également auprès des parents, histoire de bénéficier de cette transfusion historique, traditionnelle et même quelquefois professionnelle. Merci à vous, chers amis, pour vos différentes représentations. Kevin et Marshall pour le compte de Ousmane Semen. Tout de suite, le jury pour le résultat concours d'art. Dans le dessin de Semen Ousmane, il était plus expressif au sens où j'ai trouvé dans la position des caractères, c'est-à-dire le père derrière, le fils devant, pointant du doigt, vous comprenez? Là, j'ai vu la continuité, enfin l'espèce de transmission, le lien, vous comprenez? Avec le futur, vous comprenez? Voilà pourquoi Semen Ousmane remporte cette épreuve. Par rapport à, bien entendu, à Polygamba. Merci infiniment. Tapez les mains encore très très fort pour Ousmane Sembel, voilà, qui remporte le concours d'art. La production de Challenge Jeune a pensé notamment à apporter une autre couleur à ce numéro consacré au collège et lycée Raponda Walker. Et sur ce, mesdames et messieurs, je m'en vais inviter pour votre plaisir et le plaisir également de ceux qui nous regardent à la maison, le groupe de percussion afro-brésilienne du lycée Victor Hugo qui porte l'estampille de Goma Tambor. Sous vos acclamations, s'il vous plaît.
Ok, voilà, on va prendre peut-être quelques mots du chef d'établissement, du représentant d'ailleurs du chef d'établissement avant de se séparer. Monsieur, nous sommes arrivés au terminus de ce numéro de Challenge Jeune consacré au collège et lycée Rapanda Waké. Quelles sont vos impressions? Je vous remercie de votre passage. Je suis très impressionné d'abord par la logistique qui a été mise en place. Et je remercie sincèrement les élèves du collège et lycée Rapanda pour leurs prestations. Je dois avouer que cela n'a pas été difficile parce que nous sommes à la fin d'un trimestre. Il fallait que les élèves préparent à la fois les séances d'entraînement pour cette compétition, mais aussi et surtout les devoirs de classe, puisque je l'ai dit tantôt, c'est d'abord la primauté au cours. Évidemment. Donc, je vais peut-être aller vers la fin en disant, je vous remercie pour le passage et j'espère que l'équipe qui sera désignée pour représenter le collège et lycée Rapanda remportera cette compétition pour la deuxième édition de Challenge Jaune. Je vous remercie. Merci, monsieur Dominique. Tapez les mains très, très fort pour monsieur Dominique. Il représente l'administration de cet établissement. Vous allez passer votre micro à notre ami Pernel. Alors, Pernel, c'est terminé pour ce numéro. Quelles sont vos impressions, vous qui avez été représentant du groupe Polygamba? Nous tenons d'abord tout le groupe à remercier l'équipe Challenge, à remercier l'administration et tous les élèves présents. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, bon, avec quelques petits regrets, mais dans l'ensemble, c'était bien. Voilà, merci à vous. Tapez les mots très très fort pour Pernel, Polygamba. Alors, nous allons écouter Josia. Voilà. Josia, tapez les mains très très fort pour elle, elle représente Sembem Ousmane. C'est terminé pour ce numéro, Josia, vos impressions? En fait, c'était bien et je tiens aussi à remercier Monsieur Dominique car pendant tout le long de la préparation, il nous a aidés et il a beaucoup souffert aussi. et on a quand même gagné à la danse et au concours d'art et ça c'est déjà beaucoup, même si pour le reste... il reste encore à voir si on a gagné ou pas, mais c'était déjà, il faut déjà du courage pour venir sur ce plateau et dire on va danser, on va chanter. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont aussi pu venir, tous ceux qui ont pu se déplacer. Voilà, nous vous remercions d'avoir participé et tapé les mains très très fort. Elle s'appelle Josia, elle représente l'équipe Sembem Ousmane. Alors nous allons écouter Madame Paulmar Eboué qui était représentante de l'association Awe. C'est terminé pour ce numéro. Madame, votre mot de fin. Je remercie l'implication des parents, de l'administration de Rapanda et des élèves. Mmh. Et merci pour la... pour la représentation des cultures gabonaises et la préservation des générations futures et l'implication de tous. Merci infiniment. Tapez les mains très très fort pour elle, s'il vous plaît. Merci à vous, madame. Chers amis, le résultat, s'il vous plaît, à votre attention. Monsieur Moulambi, voilà. Allez-y. Comme il s'agissait bien d'une compétition, eh bien, il faut bien écouter ou s'attendre au résultat. Alors... les résultats donnent ceci. Sur l'ensemble des activités que nous avons eues, l'équipe Polygamba s'en sort avec une moyenne de 13,63 et l'équipe Sembem Ousmane, qui n'a pas démérité, s'en sort, elle, avec une moyenne de 12,99. 12,99. Voilà, donc le gagnant, en tout cas l'équipe gagnante, celle qui représentera l'établissement au cours des prochaines... pas encore, hein? Peut-être pas. Voilà. Ah d'accord, ok, bon, peut-être que je m'avance un peu. Voilà, donc c'est l'équipe, en tout cas gagnante de ce jour, c'est l'équipe Polygamba. Polygamba, ça mérite des acclamations, mesdames et messieurs, 13,63, c'est la moyenne finale. Et c'est avec cette moyenne finale que nous allons également mettre un point final à ce numéro consacré au collège et lycée Rapanda Waké. Félicitations à vous, chers amis. Et surtout, beaucoup de courage. Vous n'avez pas démérité. Voilà. Et beaucoup de courage à vous également. On espère peut-être vous retrouver au prochain numéro. Mesdames et messieurs, c'est terminé avec ce numéro. On se sentirait terriblement coupable si jamais on mettait la clé sous le paillasson sans toutefois manifester notre reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui se sont déployés pour la bonne réussite de ce numéro. Merci infiniment. À nous de l'oublier jamais. Challenge Jeune, au-delà d'un jeu, c'est un défi. Bonsoir et à la prochaine pour un autre numéro.